صلي على محمد سيد العرب والعجاب. Sur la rive de Cambérin, des voix se perdent dans les cris de la mer. Tout de blanc vêtu, dans un gestuel synchronisé, les talibés scandent sans faille, Baylaï. Sedina Ali Mamoulaye naquit en 1843, le 15 Chaban de l'an 1261 de l'Égypte, dans la région de Dakar, plus précisément à Yoff. Il est le fils de Mam Koumbendoy et de Mam Alassane Tchao. L'imam est un pêcheur lébou de Yoff. À l'âge de 40 ans, la prophétie lui paraissait sous les traits d'un corps céleste. Le récit fondateur veut qu'en 1883, alors qu'une comète passe dans le ciel, il reçut une révélation. D'autres sources affirment que le décès de sa mère fut l'élément déclencheur. Après 3 jours de mutisme et d'isolement, que son entourage attribua au bouleversement qu'il venait de subir, l'imamou sortait ce 24 mai 1883, superbement drapé de 3 pagnes blancs. Il parcourut les rues de Yoff pour appeler les hommes à une adoration de Dieu en révélant sa mission. Bobo carte laine bi sosoguñ ko mu ngi de kon nga paru dañu tok ben goudi di réré tiaré geeg gi daldi ñew dugg ci ba ci ëtt bi ba ci neeki ba gor guñu wax baye Alsane Diop di magu baye Mamadou Mala Diop journaliste mo jël club tiaré bi yëkëti ko taxaw pour bañ dox mi dugg ci wayé bañ ko waxé da na yëgnamako ba mu duggé jakk suba nak ci ëlëk sa fajar gi ba mu jullé ba sotal le deugmal geej mak ñu top ko man na la ca limal ay cede mam Alsane Wade bu bar ñi ca la won domam gor gui libas wad bu teunge te ko dangu ca la won bay sambalay job ci ñal ca kor ca la won bay Alsane Diop ca la won rakam babakar job ca la won momar bint samba ca la won mam momar bint samba lol ñoo ñu la ci manalim mu and ak ñom deugmal geej waye dañu jaxlé waye ba mu déme ba job geej nak da ka ne geej dandul geeg gi melni sadiade gu ñuy lem mu top ko sur des dizaines de mètres dal na xana fi doyna pour yok keur dal reude ci baramu deem bi muy ortay dal na ko geej yemal fi ma dekk fi ak sama njabot be ak mu ne gess mbolam ne len yende xamu len ma waye geeg gi xamna ma xamna may kan ci boromam ci suñu borom ndax mom mindeef la kon luma ko sante dina ko def ben vague de plusieurs mètres jog ne paf passé wu reude mo ba tay ji geej dépassé wu awreude. Le mythe a toujours entouré le personnage de Sedina Ali Mamoulaye. Durant ses 66 ans d'existence, il n'a eu aucun portrait. Dans une époque où la conquête coloniale était de vigueur, la renommée de Sedina Ali Mamoulaye rendait sceptique l'administration coloniale. Laï est isolé sur l'île de Gorée, où il est assigné durant 3 mois. À son retour, il se réinstalle à Yoff, où il reprit ses prédications. Sur la fin de sa vie, ses problèmes de vision n'entamaient point sa foi. En 1909, Sedina Ali Mamoulaye tirait sa révérence en laissant un livre en 6 parties connu sous le nom de Sermon. Son mausolée est actuellement bâti à Yoff, face à la mer. <t'en>